papiers, là. C'est quoi, ça? C'est quoi, ça? C'est exactement la question. Qu'est-ce que c'est, ça, maman? Quoi, ça? Bah, tout ça. Toutes ces factures, là, qui s'entassent. Eh ben, c'est... j'avais tout rangé. C'est quoi, ces petites notes? Non, non, que tu découvres des trucs... Excuse-moi, tu fouilles pas dans mes papiers. Non, tu ne fouilles pas dans mes affaires. Une minute. Est-ce que tu peux me donner une explication sur le fait que t'es 6 comptes en banque et que les 6 sont dans le négatif? Donc, le point de départ, c'est Suzanne, une femme atteinte d'une maladie de type neurodégénérative, type Alzheimer, une démence sémantique. Mais la particularité de cette maladie, c'est que la personne n'est jamais consciente qu'elle est malade. Donc, c'est tout le monde qui déraille autour d'elle et elle pense que tout va bien. Et donc, il y avait vraiment tout de suite cette idée de ton qu'on voulait amener. Et c'est vraiment un des points de départ du film, c'est d'amener, de parler de ça de manière aussi drôle et décalée, pas uniquement sur un ton... Dans notre vie personnelle, on a été amené à vivre quelque chose de similaire à ce qu'on peut observer dans Une vie des manques. C'était comme une forme de rodéo. Alors le rodéo, c'est dur, mais dans le rodéo, il y a aussi quelque chose d'extrêmement dynamique, vivant, festif. Et on s'est dit, il faut qu'on traduise ça dans une fiction, parce qu'il nous semble que c'est quelque chose qui a vraiment fait partie de notre expérience et qu'on doit transmettre aux autres. Et les personnages, on les construit pas sur papier de manière théorique, tout en amont. On rencontre très vite les comédiens avec un texte, un petit texte au départ, et on va dessiner petit à petit les personnages, on va les construire dans des allers-retours avec des répétitions qu'on fait avec les comédiens, des répétitions filmées, et petit à petit on les dessine. Donc Noémie et Alex, ils se sont vraiment construits comme ça, par petites touches, et... Noémie, même au début, avait un petit rôle. Et puis finalement, plus on avançait dans l'écriture, plus son rôle devenait important, plus son recul, sa distance, sa manière d'appréhender la situation était un moteur, en fait, et a construit le scénario. Quoi. Les personnages de cette fiction vont choisir différentes façons d'aborder ce qui leur arrive et ne sont pas d'accord et vont devoir vivre toute forme de débénie relationnelle avant de trouver tous un équilibre et d'emporter ensemble la maladie dans le flot de la vie, quoi. En fait, on a passé pas mal de temps avec Jean Le Pelletier et Lucie Debay, donc Alex et Noémie, dans ces scènes de chambre. C'est des scènes auxquelles on retournait chaque fois qu'on répétait avec eux, parce que c'est des scènes dans lesquelles il se passe des choses importantes pour eux, où ils se disent des choses importantes, où ils se cramponnent sur leur position, ou alors où ils changent. Et c'était comme des balises de récit comme ça. C'est au montage qu'on a vraiment mis le point d'orgue à toute cette avancée, cette tension qui monte jusqu'à la rupture. On a rebattu vachement les cartes au montage entre toutes les scènes qu'on avait de lit. Et ça s'est vraiment redessiné à ce moment-là. Mais c'est notre manière de travailler. On travaille de manière assez organique et les choses se font petit à petit, quoi. Il y a beaucoup de choses, par exemple, quand on répétait dans cette maison de Suzanne, donc c'est une grande maison, un grand jardin, il y a d'un coup cette tondeuse qui s'est mise en route toute seule, c'est une tondeuse automatique, un robot tondeuse, et Jo Deuzer, l'actrice qui joue Suzanne, s'est mise à regarder, elle est fascinée cette tondeuse, et là on s'est dit, mais il y a quelque chose qui se passe, là il faut... Et donc tout de suite, hop, on a commencé à filmer, essayer des choses, et puis on l'a intégrée dans l'histoire, et cette tondeuse revient, et c'est presque un personnage, parce qu'il y a vraiment un moment... Oui, et puis c'est une espèce de point de référence rapport à l'évolution de la maladie de Suzanne. Donc ouais. Et on travaille toujours comme ça. C'est-à-dire on observe, on se met dans les endroits, on se met dans les décors, toujours avec les comédiens, et puis on cherche. Là, non, là, non. Non, 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 non. Là-bas, non, non. Voilà. Pour les tableaux, enfin nous on appelait ça les tableaux, c'est-à-dire tous les décors où ils sont face à des gens de la société, donc le neurologue, tous ces éléments-là, on s'était dit, en fait on a commencé à répéter toutes ces scènes chez nous dans notre salon sur un fond blanc, et puis c'est nous qui faisions les voix, et puis on s'est dit mais tiens en fait pourquoi pas fonctionner comme ça, rester dans une espèce de face caméra, face à quelqu'un qu'on verrait jamais. Donc on a fait les voix du film en trafiquant un peu nos voix pour pas qu'on reconnaisse à chaque fois que c'est les mêmes personnes. Et ils sont comme ça face à la caméra. On s'est dit, tiens, mais
Il y a est-ce qu'on va refaire une fausse banque, un faux cabinet de gynéco? Parce qu'au cinéma, on est toujours dans des codes. Pour représenter ce type de décor, on va mettre quelques éléments qui vont nous faire comprendre qu'on est là, qu'on est dans une banque ou qu'on est dans un hôpital. Et on va juste décaler les codes, reprendre les lignes je sais pas, de la chemise du banquier et les mettre au mur. Et on dit qu'on est dans une banque. Donc c'était un peu un jeu formel qu'on voulait faire, mais un peu comme Suzanne va décaler la forme du film, quoi, avec sa folie et son décalage. Et puis il y a aussi cette idée que dans ces lieux, parfois, on est un petit peu comme absorbé, comme si on n'était plus vraiment nous-mêmes, comme si on se fondait dans le décor. Donc on aimait bien cette relation-là, quoi. Il y a quelque chose de très mindful, très dans l'instant présent, quoi. Et c'est ça qui rend aussi le personnage de Suzanne si attachant et si drôle parfois, parce que elle est là dans l'instant présent à profiter du moment, et alors que Alex, surtout lui, va tout le temps être en train de se projeter, en train d'essayer d'anticiper, de voir tous les problèmes, de... On a volontairement choisi un Alex qui est un homme charmant et embarrassé, on va dire, parce qu'il va forcément être fort challengé par l'audace de Suzanne qui va tout le temps le pousser dans ses retranchements. Et d'ailleurs, Suzanne nous éduque aussi de cette façon-là, c'est que même si on ne pourrait pas tous fonctionner comme Suzanne, ce serait compliqué dans la communauté des humains, mais par contre, de la voir fonctionner comme ça, nous ramène que le cadre du comportement qu'on s'autorise pour être correct au sens de la bienséance, il est quand même petit par rapport au large champ des possibles. Et que comme Suzanne, dès qu'elle fait un truc, elle est pas dans ce cadre-là, on se dit waouh, en fait, il faut faire vachement d'efforts pour être tout le temps là-dedans. Et c'est des efforts qu'on fait tout le temps, à chaque minute du jour. L'art contemporain, c'était un choix lié à notre parent, qui vient aussi de ce milieu, qui dirige aussi un centre d'art. Et ça nous semblait vraiment intéressant de partir de là, parce qu'il y a vraiment son intérêt, l'intérêt pour l'art de Suzanne va continuer jusqu'au bout. Et c'était quelque chose de vraiment intéressant comme guide pour son personnage, pour comprendre la maladie, pour comprendre à quelle manière elle va se tenir à sa ligne. Donc ça, on trouvait vraiment ça intéressant, même en termes de fiction, de reprendre ce qu'on avait connu dans le réel. Et par rapport au métier de Suzanne, c'était aussi hyper important que Suzanne, elle ait une passion très forte, parce que c'est ce que la maladie ne va jamais atteindre chez elle. Même la maladie va attaquer ses capacités intellectuelles, va lui enlever des mots, va lui enlever plein de choses, mais par contre, on ne va jamais lui enlever son approche, ne vont jamais lui enlever sa passion pour l'art et pour le beau. Et c'est quelque chose qui est extrêmement enracinant chez elle. Et on aimait beaucoup l'idée que c'est quelque chose d'un peu invincible même. Et on lui disait toujours à Joe Dauzeur qui joue Suzanne, on lui disait, ça, la maladie, elle ne te le volera jamais. Jo, on l'a vu dans un film d'Emmanuel Mar. C'est un court-métrage qui s'appelle Le Petit Chevalier et elle jouait une juge pour enfants. Elle avait un truc, un jeu un peu distancié comme ça dans sa façon d'interpréter cette juge. Et on s'est dit, ah, faut qu'on rencontre cette interprète, ça pourrait vraiment être intéressant pour Suzanne. Et voilà, on a fait un essai avec une seule comédienne et c'était elle. Et sur la scène belge, elle joue beaucoup au théâtre, en fait, Jo Dauzeur. Elle a fait un peu de cinéma, mais elle travaille tout le temps au théâtre. Elle est tout le temps en train d'apprendre son texte pour la prochaine créa. Elle est tout le temps sur les planches. Et après, nous, elle s'est beaucoup inspirée. En fait, on lui a fait beaucoup écouter des rushs radio pour préparer le rôle qui avait été fait. Donc, c'est un documentaire radiophonique qui a été fait sur notre parent, qui s'appelle Les mots de ma mère. Et on lui a fait écouter le documentaire, mais elle a aussi écouté tous les rushs, enfin une partie des rushs. Oui, elle dit ça. Et puis on s'est aussi beaucoup appuyé sur l'énergie de Jo Dauzeur elle-même. C'est quand même Oui. quelqu'un qui a un tempérament très rebelle, très dynamique. Très punk. Oui, et on savait que
la personnalité de Joe allait être un support très important pour le personnage de Suzanne. Oui, il y a quelque chose de fou parce qu'en fait, on est traversé par ces émotions dans la vraie expérience qu'on essaye de traduire à l'écran, qui est renvoyé au spectateur qui est ému, qui nous renvoie énormément de chaleur et du coup, on se retrouve à nouveau ému. Je disais, il y a quelque chose, il y a une espèce de cycle infini du passage de l'émotion. Hein, tu sais, ouais. C'est chouette parce que bon, on fait quand même du cinéma pour ça au départ. Ah, mais c'est... En fait, c'est hyper réjouissant. En fait, c'est drôle parce que dès qu'on a fini le film, j'ai eu une grande curiosité de comment plein de cultures non européennes allaient accueillir le film. Parce que comme la question de la gestion des anciens, elle se pose de façon assez différente suivant les cultures, j'ai tout de suite eu la curiosité de, par exemple, comment le monde musulman va accueillir ce film, comment est-ce qu'il va se connecter au film, comment est-ce que le Japon va accueillir ce film. Enfin, c'est tout de suite une question, une curiosité qui s'est pointée dans notre esprit. Donc là, il y a quelque chose qui va se réaliser de cet ordre-là. Et puis, sur les courts-métrages qu'on a faits, il y avait à chaque fois juste le sous-titre anglais, sous-titrage anglais, mais qui limite énormément les gens qui peuvent voir le film. Il y a plein de gens qui ne parlent pas anglais forcément, qui ne savent pas le dire. Et là, moi, je vois bien, on était en Italie. J'ai une partie de ma famille italienne qui ne parle pas anglais ni français et qui voulait voir le film, mais il n'y avait pas moyen de communiquer. Donc, se dire qu'on va pouvoir communiquer comme ça de manière beaucoup plus large avec les sous-titres dans la langue de différents pays, c'est très important, quoi.